Attaquer, trahir, tuer, ce sont les stratégies les plus répandues et les plus emblématiques des loups-garous. Mais elles sont loin d'être les seules. Infiltration, retournement de cerveau, nombreux sont les moyens de gagner en LGUHC. Et aujourd'hui, je vais une nouvelle fois incarner le rôle de loup-garou et tenter de manipuler le village dans ce qui sera une partie des plus épiques. Avant que la vidéo ne commence, deux petites choses à vous dire. Pour commencer, sachez que demain, 1er août, commencera un événement Minecraft sans précédent, la Cité des Nations. Une cité regroupant 100 joueurs répartis en 5 équipes de 20, une par pays. Nous allons donc représenter la France avec une équipe de fous pour affronter des streamers et youtubeurs du monde entier. Vous allez le voir, il y a du lourd. Il y a un mois, nous avions participé à la Cité du Swag et on est déjà reparti. Je vais stream tous les jours du matin au soir durant cette semaine de folie. Beaucoup de choses cool de prévues en stream, des events, du fun, pas de drama cette fois on espère, et des petites surprises aussi, qui sait. Donc retrouvez-moi sur Twitch dès demain, 1er août, à 20h, pour le commencement de cet event de dingue. Et deuxième chose, cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora, un logiciel de montage parfait pour faire des vidéos sur YouTube. Je l'ai téléchargé et je me suis rendu compte que c'est un logiciel facile à prendre en main, même pour les néophytes. Mais il y a quand même énormément d'outils très pratiques pour faire des vidéos sur YouTube. On peut faire des ralentis, des zooms, c'est facile et ça rend bien. On a aussi un outil de motion tracking, qui là aussi fonctionne très bien et rend plutôt bien, ça fait tout seul quasiment. On a de quoi également faire de l'incrustation en fond vert, ça rend bien. Et ça, bah c'est juste la base. Là, je suis sur la version d'essai. Mais il y a encore plus d'options sur la version complète. Une bibliothèque entière avec énormément d'effets appliqués sur vos vidéos. Ainsi que tout un nombre de musiques libres de droit. Et ça, bah c'est vraiment utile sur YouTube, vu tous les strikes pour copyright qu'on se prend. Wondershare fait aussi Uniconverter. Logiciel assez polyvalent, qui permet d'enregistrer son écran. Comme vous le voyez, c'est très très simple. Mais également de compresser les vidéos si vous avez besoin de changer de format. Donc là encore, c'est très simple et très rapide. Et comme vous le voyez, on perd pas de qualité. Et une fois votre montage terminé, vous n'avez plus qu'à exporter votre vidéo et la mettre en ligne sur YouTube. Et là aussi, c'est très rapide et le résultat est là. Pour toutes ces raisons, je vous recommande Filmora. C'est vraiment intuitif et puissant pour faire du montage. Ce n'est pas gratuit, évidemment, mais le prix est vraiment pas cher par rapport aux autres logiciels de montage, et vous permet ainsi de faire vos montages sans embûches. Et si vous galérez, il y a de nombreux tutoriels sur leur chaîne que vous pouvez suivre pour bien savoir le prendre en main. Ça peut être pratique. Donc si jamais vous êtes vidéaste, ou que vous souhaitez vous lancer sur YouTube, le lien du logiciel est dans la description. Donc foncez. Hello à tous, c'est Gep. On se retrouve pour, comme vous vous en doutez, un nouveau loup-garou UHC. Et aujourd'hui, comme vous vous en doutez encore une fois, une partie vraiment spectaculaire. Je pèse mes mots, c'est probablement ma meilleure partie dans le camp des loups. Un petit rappel des règles pour ceux qui découvriraient le concept. Loup-garou UHC, un mode de jeu basé sur le jeu de cartes du même nom. D'un côté, le village qui doit enquêter pour démasquer les loups, tandis que ces derniers doivent tuer et attaquer les villageois. On trouve ici de nombreux rôles emblématiques du jeu original, mais bien plus encore. On ajoute ça à du PvP Minecraft et on obtient un des meilleurs modes de jeu, LGUHC. On est donc ici sur une partie avec le groupe LG. Elle date un peu. J'attendais vraiment avant de la sortir. J'espère donc qu'elle vous plaira. On va donc commencer directement dans ce qui s'annonce être une épopée épique. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne, et ça me permet de gagner encore plus de parties de LGUHC, et de vous les partager. Oui, info sûre. Bon, on va arrêter de plaisanter, et démarrer directement la partie avec l'annonce des rôles. Loup-garou feutré, le rôle stratégique des loups par excellence. Je suis dans le camp des loups, mon objectif sera évidemment de tuer tous les membres du village, je possède ainsi le même avantage que tous les loups, l'effet force la nuit. Mais j'ai quelque chose en plus. Lors de chaque épisode, il me sera attribué un rôle de façade, c'est-à-dire un rôle aléatoire choisi parmi les rôles de la partie. Et si jamais je me fais espionner par un rôle à info quel qu'il soit, c'est ce rôle de façade qui sera affiché, me permettant de m'infiltrer au sein du village. C'est donc un rôle qui peut me permettre de jouer très stratégiquement, et c'est ça que je veux. Mais avant de commencer à réfléchir, je vais découvrir la liste des autres loups. Non mais tu sais, logiquement... Ben... Ouais, dans ta logique, ouais. À la fin d'épisode, c'est une... Je me rends compte que mon équipe de loups n'est pas très forte. Il n'y a aucun mauvais joueur, mais aucun très bon joueur non plus. Aucun hardcore, Restump, Nagato, Nanox, etc. Ce qui ajoute déjà une difficulté à notre partie. Il faut donc réfléchir à une stratégie pour pallier à cela. Donc là, je vais faire un truc. Vous savez quoi? Je vais faire un truc qui marchera peut-être. Je vais aller en 0 très tôt, à 60 minutes. Je vais voter Nartko et je vais le crit. Et avec un peu de chance, il sera infecté. Voilà ce que je vais faire. Enfin, Nartko ou Restump ou quiconque sera en 0. Du coup, c'est ce que je vais faire. Mais il faudrait qu'il prenne des votes. Ma stratégie est donc décidée. Essayer de voter un joueur fort pour lui faire perdre 5 heures pendant 5 minutes. En profiter pour le tuer rapidement et espérer qu'il se fasse infecter par l'infect père des loups, renforçant ainsi notre camp. Si possible, je veux faire ça en toute discrétion pour ne pas me faire cramer et ainsi continuer mon infiltration. C'est l'objectif de mon rôle après tout. Je vais ainsi continuer mon minage. Pendant ce temps, la sorcière va mourir, tant mieux pour moi, et ce sera ainsi l'heure de remonter. Bon, du coup, voilà. L'objectif va être de faire ce que j'ai dit. Ça va dépendre de s'il y a. Là, faut vraiment qu'il y ait un de ceux que j'ai cité vraiment. Un joueur très fort. Je vais le voter et le crit. Avec un peu de chance, il ne s'agira ni de l'enfant sauvage, ni d'un rôle solo, ni de coupe. Ah, il y a le citoyen en plus, c'est relou ça. Il y a le citoyen qui peut me cramer. Ah, c'est impossible en fait. Là, la game est vraiment impossible pour les loups, vraiment. Vraiment, si je lance pas l'assaut, je vois vraiment pas beaucoup de gens le faire, et je pense qu'on va se faire dégommer si je lance pas l'assaut. Je vais vider un point là. C'est guild 2 en tout cas. Bon, on va essayer du coup la strat, on laissera à 80 minutes du coup. On laissera à 80 minutes, sauf si on a l'occasion de tuer quelqu'un plus tôt. C'est là. Oh, salut. Ah ouais, T'es tout seul? Non, il y a Chubax et... Chubax Silu là-bas et guild à gauche. Chubax Silu? Oui, Chubax Silu. Ah, y'a Nimbus ici. Salut Nimbus. Salut à toi. Tu es tout seul?
Non, j'ai croisé les deux autres là, Chobax et Illu. Ok, mais et là-bas il y a Gil, je vais voir. Et Nordko. Ouais, ça va. Salut. De toute façon, ouais. Bon, bah ok, on a vu 3-4 personnes. Il y a pas eu de gros au début, donc je sais pas s'il y a eu un montreur d'ours ici ou pas. Je ne sais pas. Par contre, t'es sûr qu'il était là-bas, The Gil? Je l'ai pas croisé. Il est par là-bas. Ah, ok. Je vais le voir. Avec Nordko. Genre Gil, il est allé voir Nordko, il a dit viens, faut que je te dise un truc, mais je crois que Gil m'accusait, un truc comme ça. Gil a confiance en Nordko. Genre il va lui demander de dire un truc la nuit alors qu'il a les votes. C'est vrai, ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Et dès le début, je vais commencer les hostilités. Je veux m'infiltrer, manipuler le village. Cela passe donc par des accusations. Gil, qui est à 5 heures à cause des votes, s'isole en pleine nuit avec Nordko. Aucun des deux n'est loup, je le sais, mais c'est un motif pour commencer à les accuser, et ainsi tenter de diriger les soupçons du village sur d'autres villageois. Tatnux. Oh. Gap, t'as un diamant ou pas? Oui. Ah, viens, on fait un Shifumi, bro. T'es prêt? Vas-y, Gap, tu veux des gapoles? Vas-y. Tu veux une pipe? Non, je fais un Shifumi. Attends, tu veux des diamants ou des gapoles? Ouais, j'en ai cramé. T'as combien de diamants? Ah, t'en as qu'un, ok, je ne fais pas commerce avec toi, je suis désolé. Putain, mais c'est bon! Pas de commerce avec les pauvres. Shifumi, ciseaux. Ciseaux. Shifumi, feuille. Ciseaux. Putain! Oh là, let's go! Par contre, Illu, je peux te l'enchanter si tu veux, mais ça coûterait une gapole. Et tu m'arnaques pas en gardant les bottes? Non. Ok. Promis? Bon, attention, trop tard, je les ai jetés. Et même pour ce. Attends, tu m'as donné le diamant ou pas? La gapole? Parce que si tu me donnes la gapole, en plus, je te mettrai P2 dessus parce que j'ai un livre P1. Ouais, mais il faut juste que je tire un okay. Pour ça. En parlant de P1, oh non, je peux avoir un breaking. Oh, désolé, j'annule le deal. Est-ce que quelqu'un peut mettre P1 sur ça, s'il vous plaît? Bah, du coup, vas-y, moi je veux. Là, on fait un 50-50. Il est bizarre, Gil. Parce que en pleine nuit, alors qu'il avait les votes, il a dit à Nordko, vas-y, oui, rejoins-moi, j'ai des trucs à te dire. Oui, ils sont sans doute dans le même camp, eux, hein, ils le savent. Hein. Non, c'était vraiment bizarre. Hein. Mais chef. Et là, on se met bien. J'ai bien miné ça, ça fait dire. Bonjour, j'ai une question, pourquoi vous faites confiance, ce Gil et Nordko? On fait pas confiance, quoi, du coup. Bah, pourquoi Gil, en pleine nuit, pendant que t'as les votes, tu lui demandes de lui parler? C'est bizarre. Parce que j'ai envie de lui dire un truc. Mais en pleine nuit pendant que t'as les votes, tu serais méfiant normalement. Ah oui, il est beau. Après, hein. Le truc, c'est qu'il m'a dit, de partir avec lui. Enfin, genre tout le monde m'a vu partir avec lui. Oui, dans tous les cas, c'est que. Bah, il y avait que moi quoi. Tout le monde savait que c'était lui, déjà, premièrement. Tout le monde, il y avait personne à ce moment-là, vraiment. Il y avait genre 3 joueurs au 0. Gap, viens voir, urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tiens. Je crois qu'il y a. Oh. Par contre, attends, il faut que je récupère un niveau, j'arrive. Ok. C'est bon. C'est qui là-bas? Ah, je suis sans boîte par contre, je suis pas mort. Okay, en fait, j'attends que Gap me les fasse. Ouais, c'est du commerce. Tu vas pas te les rendre. Si, si, je lui donne une gap. Ah, mais c'est du commerce, je rends, je et suis. Tu penses qu'une gapelle, ça va vraiment lui faire te les redonner? Genre, il peut vraiment sortir avec. Hein. Merci, Gap. Je suis pas le genre de personne. Quel bourreau, sérieux. Il a des principes en fait. Oui, quand il va te mettre un coup d'épée dans le dos, tu verras. Ah, mais ça, c'est pas. C'est autre chose. Tu verras que ces principes ne seront plus là. Rien à voir avec. Je suis peut-être un meurtrier, mais j'ai des principes de commerce. Je respecte mes deals. Ça va alors, ça va. J'ai qu'une parole. En fait, il prépare ses propres potes. Il te les donne, ça reste à lui. C'est un investissement. En fait, tu les gardes là, tu les gardes, genre. Je vais peut-être jouer safe à partir de maintenant, du coup là. Non, tu veux pas venir, j'ai une info. Viens, j'ai une info. Viens là-bas tous les deux tout seuls sur la montagne. Je suis sûr de. Je crois que j'ai 3 loups, je peux te les dire si tu veux. Oh, incroyable comme info, très alléchant en tout cas. Plaisir. Par contre, il y a un groupe qui m'effraie un peu, c'est le groupe de Nanox, Nordko et tout ça. J'ai perdu encore. Et Guy. C'est vrai. T'as perdu le Shifumi contre Elu? Oui. Ok. Je suis vraiment déçu. Oh. C'est sûrement là. Je pense vraiment que c'est là. Je pense que c'est là. Bah, je pense surtout qu'on est taille, moi. Genre 1 milliard dans le premier. On est genre 7 donc. On était genre même plus que ça, frère. On était même 8-9 là. Si, c'est sûr, frère. On était 8-9 là. Ouais, c'est là en fait. C'est là. Après, vraiment, c'est là. Ah oui, d'accord. En fait, on est vraiment 600 en fait. Oh, on est 600. Je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai un peu compris, mais bon. J'ai donc choisi de tenter d'infecter Nagato. Je n'ai pas encore vu Restum pour le moment, et Nordko reste tout le temps avec Gil. Je ne sais pas si c'est car ils sont en couple, ou s'ils se font simplement confiance, mais dans les deux cas, c'est compliqué à infecter. C'est donc Nagato que je vais cibler et voter. Mais bon, Fuka va se prendre les votes cette fois-ci. En plus de ça, il semble assez méfiant depuis les greux. Peut-être car c'est lui le montreur? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, ça me donne une bonne raison de rester près de lui en faisant mine de l'innocenter. C'est Guillaume qui l'a entendu, non? Bon, déjà, Daiko, c'est quasiment confirmé, je pense. Pourquoi? Bon, il est vraiment tout seul, quoi, en fait, là. Genre, vraiment de nuit. Non, tout seul. Mais non, bah là, actuellement, là, il est avec. Ah, bah là, il était là il y a deux. Regarde. Il est avec Fatou et Fuka, là. Ok, d'accord. Ça va. Sur qui? Qui c'est qui a sauté sur qui? Je crois que c'est Dalil. Je crois que c'est Dalil qui courait. Ça se tape vraiment? Ouais, ça se tape vraiment, je crois qu'il se tape Dalil, je crois. Ah, ils l'ont tué, je crois.
En vrai, j'aurais pas dû taper là, je suis trop méchant. Allez! Oh! Let's go! Oh, let's go! Première attaque du village, et c'est mitigé. D'un côté, on enlève un loup qui nous aurait peut-être trahi avec son couple. Mais de l'autre, on perd le couple, composé de bons joueurs qui auraient pu nous aider. Ce n'est pas dingue. Le temps passe, je n'ai toujours pas trouvé l'occasion de tuer Nagato. Il va falloir se dépêcher. Mais c'est qui a eu l'info sur. Je sais pas si c'est Ilu qui a lancé la fille en tout cas. C'est Ilu. Et Chobak, c'était en mode confiance. Bah, du coup, le groupe là est sûrement gentil, mais bon. Ouais, après, bon, là, il y avait qu'un loup, quoi. Oui. Mais après, je veux dire, est-ce qu'il savait qu'ils étaient en couple ou il pensait qu'il était loup? Non, c'était loup. Ouais, ok, donc c'est clairement pas. Genre, il était étonné quand il a vu que c'était en couple ou pas. Après, tu vois, on était tellement où il y aura jamais aucun loup qui l'aurait défendu, tu vois, donc. En soi, ça veut rien dire. Ouais. Non, y a pas eu de grue en V1. Non, y a eu que 3 grues au début en fait. Ouais, y a pas Bichard. Ouais, donc pour qu'il ait eu l'info. Y a aucun moyen qu'il sache à 100% qu'il y a un loup, sauf si c'est intuition, je pense. Peut-être il attend. Bah, ou alors il a peut-être croisé. Ouais, non. C'est vrai qu'il était VPL, y a moyen de le cramer. VPL, il a peut-être. On est beaucoup trop. Ça se voit peut-être, mais. Ouais, on est beaucoup trop. Je trouve attaquer pour ça, moi je pourrais pas, tu vois. Ouais, mais ils peuvent pas. Enfin. Il était tout seul, tu vois, ils peuvent pas. Vous avez des infos sur Daiko? Non. Le groupe Daiko, Chobak, c'est Ilu, pour moi du coup les safe. Oui, non, mais ils sont forcément safe. Ou alors il y a peut-être des infiltrés dedans, oui. Mais je veux dire, globalement, le groupe est safe. Du coup, pourquoi le groupe Nanoski et tout ça, ils veulent buter Daiko? Je sais pas. Peut-être le LGB en fait. On verra bien. Je pense qu'ils vont l'attaquer. J'étais dedans. Il y avait Truya. Ilu, Nani, Truya. Fatou. T'étais dedans toi ou pas? J'étais dedans, ouais. Oui, shot. What? Liga. Ok, parfait. Bah, c'est quoi là? Ah, oui, t'es tombé de l'arbre. Oui, je suis folle. C'était compliqué. Beaucoup de gens autour, mais à l'aube, alors que la nuit touchait à sa fin, j'ai finalement eu l'occasion. Et je l'ai prise. Nagato mort, Nagato infecté, un bon joueur dans notre camp. Nos chances remontent. J'ai réussi mon premier objectif, je peux ainsi continuer à m'infiltrer dans le village, c'est parfait. Attends, tu parlais quoi ou parlais toi? Parler de ce qui s'est passé en mode ce qui s'est passé avec Ulu, etc. qui avait attaqué. Je voulais savoir qui avait dans le groupe. Là, il y a 3 gros. En fait. Ouais, je pense pas. Moi, je pense avoir des infos. Ok, mais moi j'ai changé d'avis du coup sur la personne que je pensais. Donc j'ai pas où c'est les gros en fait. C'est pas ce que je pensais. Si c'est mon 32. Ouais, bon. Ouais, ok. Vous pensez qu'il est méchant? Il voulait l'attaquer depuis tout à l'heure. Parce que je sais pas, je suis pas trop. Justement, tu te trompes, c'est moi qui ai les infos. Ah oui, mais t'as des grosses infos là. T'as des grosses infos là. Alors dans ces cas-là, si t'as les bonnes infos, etc. Il est mort. S'il a les infos, on va vérifier. Bon, on verra. S'il est montré en douce, c'est probablement le pire kill du village. Parce que moi, vraiment, je suis pas chaud sur Guil et Narco depuis le début. Il ment. Ouais, voilà. Bon. Oh là là. Putain, non, mais c'est bullshit. Vraiment, je suis vraiment pas chaud sur. Oui, non, mais Guil, j'ai peur de Guil depuis le début de la game en fait. La vérité, c'est que tu mériterais de mourir pour ce kill. Ça peut être ça, vous avez perdu. C'est vraiment Guil qui a tué le montreur en fait. C'est vraiment Guil qui a tué le montreur. Guil a fait ça quoi. Pour moi, c'est toi Nagato le montreur. De toute façon, depuis le début, on dit le groupe de. Mais je pensais aussi que c'était Nagato en vrai. Mais vous voulez pas les sauter genre. Mais vous parlez du gros? C'était avec vous le gros du coup? Oui, c'était moi. Ok, ok, ok. C'est pour ça que Druya et Guil m'a voté. D'accord, d'accord. Et bah, vas-y, on va sauter Guil. En vrai, je serais pas contre le sauter, mais le problème c'est que j'ai peur que Nartko et tout. Je pense que si Guil est loup, bah Nartko l'est aussi en fait. Et d'ailleurs, Daiko, tu sais qu'il t'accuse Guil et tout, il me semble. Je crois vraiment qu'il t'accuse. Enfin, ils avaient des suspicions sur toi, Guil et tout. Le groupe. Sérieusement non, sur Daiko. Tout le monde sait ouvertement là que Guil a tué le montreur. Oui, non, mais oui. Oui, mais genre, et personne pas, en fait. Bah, c'est ça qui m'étonne en fait, son groupe n'a rien fait. Bah, oui, mais il y a des bons parmi eux, c'est pour ça. C'est pour ça, oui. En fait, vous savez que mon pas pour moi c'est plus bizarre. Et moi, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il y a des gens qui étaient à côté et qui n'ont même pas réagi en fait. Bah, en fait, la seule réaction que j'ai vue, c'est Nox qui a dit: j'ai envie de te tuer. Tu mérites de mourir, mais il a rien en fait plus, après. C'est bizarre vraiment. Parce que, attendez, il y a le groupe de Nanox qui veut me tuer depuis tout à l'heure. Oui. Y a qui dedans? Il y a Guil, il y a Nanox. Et il y a Nartko. Vraiment, c'est. Et Titi aussi, mais. Damien LG. Oh. Ok, ça fait un gros de moins, non? Bah, tu vois, lui était dans le groupe qui était derrière, par exemple. Ouais. Donc ça fait déjà un gros. J'ai récupéré ma vie, je me heal. C'est vous qui l'avez tué? Ouais, on vient de le buter. Ok, il a été. Comment vous saviez? C'est grâce au. Des soupçons. Ah, c'est Friendly Chobax. Ok, ok. Friendly Chobax, il lui. Je pense que c'est trop.
Encore un loup de mort, et cette fois-ci un vrai, c'est pas fou. Mais cela me donne une info supplémentaire. C'est le deuxième loup tué par le groupe de Chobax. Chobax, un loup-garou. Ne serait-il pas loup-garou blanc, traître parmi les LG, tentant de s'infiltrer en tuant notre loup? C'est très louche. Il a tué Drya sans la moindre pression, et il oui, a pas de problème là. Devant tout le monde, hein. Ah, mais. Il est là-bas, Guil, je viens de le voir, hein. Gaultier. Bah, en vrai, go. De nuit. Mais après, c'est la nuit, donc c'est chaud, mais c'est bientôt le jour. Non, c'est bientôt le jour là, le soleil se lève. Le soleil vient de se lever. Non, on veut juste tuer Guil, on veut juste tuer Guil. Mais pourquoi en fait, pourquoi vous lui faire confiance alors qu'il a tué le montreur? Parce que j'ai compris son rôle en fait. Je sais pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Bah, du coup, il l'a pas bien fait du coup. Bah oui, non, mais d'accord, il l'a pas bien fait. Mais y'a quoi comme rôle qui peut lui faire croire que. Je vais te dire ça, Nagato, t'as fait quoi de la game toi? Dans mes veines. Bah, j'ai essayé quoi. J'ai jamais dit que j'avais 100% confiance en lui, hein. J'ai dit que je le pensais safe parce que justement je le pensais montreur au début. Mais du coup il est pas montreur. Ah, du coup pour moi tu le fais encore montreur. Bah, je fais pas confiance là. Oula. Quand Guil l'a attaqué, j'étais en mode bah il l'a tué parce qu'il est citoyen, tu vois. Marc, ça fait sens parce que c'est le seul rôle à info qui reste et quand il a fait. C'est ça, et surtout que Drya est pas un tout. Voilà. C'est possible, mais bon. Quoi, mais... Ah, peut-être parce qu'il t'avait déjà voté le random. Pourquoi ça parle d'un plan 300 là-bas? Ah, peut-être. Je dis, c'est pour moi, être sûr que c'était moi. Moi non, clairement. Je vous dis pourquoi il se passe sur Drya. Parce que c'est des bâtards en fait. Le groupe de Nanox, moi j'ai pas confiance. Mais je pense aussi avec le gros en plus, Nanox il est sûrement parmi les gros. Il a vraiment tué devant tout le monde quoi. Il a vraiment tué devant tout le monde quoi. D'habitude, je quelqu'un tue le montreur d'ours, il se fait buter instant après, tu vois. Mais c'est possible qu'en vrai il soit ange ou je sais pas, qu'il soit sa cible. Parce qu'en plus, il a dit. Genre, coup, il était vraiment sans pression devant tout le monde. Quoi. Il a dit que Gabe, genre, était ange gardien avec moi, quoi. Oui, il a aussi dit ça, c'est vrai. Mais Nanox s'est dit avoir compris le rôle de Guil, mais moi j'ai pas très bien compris. Peut-être qu'il peut juste être. Enfin, si t'es loup, tu dis ça en mode. J'ai compris son rôle pour. Mais c'était là-bas le groupe. Après, Guil, il peut être tout. En vrai, Guil peut même être LGB en fait. Guil peut même être LGB en fait. On s'en fout. Là, tout le monde, il vient de dire ouais, je me fais innocenter. Ah, super. Bah, ça, c'est Guil et tout. Hein. Ah, bah, il t'accuse depuis tout à l'heure. Oui. Vous voulez que je vienne pour tuer Guil ou vous avez pas confiance en moi? Ah, non, on est 4. Attends, c'est groupe de 4 maintenant? Ah, ok, bah. Et encore un loup de mort. Par chance, c'était le loup-garou blanc. Et grâce à sa mort, nous récupérons l'enfant sauvage, Daiko. Mais c'est quand même un loup mort en plus. La partie continue de se complexifier. Et cela me rend perplexe sur Chobax. Si ce n'est pas le loup-garou blanc, pourquoi a-t-il tué autant de loups? T'es tout seul? Non, il y a Chobax et. Chobax Ilu là-bas et Guil à gauche. Chobax Ilu? Oui, Chobax Ilu. Mais c'est qui a eu l'info sur. Je sais pas si c'est Ilu qui a lancé l'info en tout cas. C'est Ilu. Et Chobax était en mode. Confiance, machin. C'est vous qui l'avez tué? Friendly Chobax Ilu. Je pense pas que c'est trop. Bon, du coup, je pense qu'il y a moyen que Ilu soit ange gardien et protège Chobax, vu qu'il y a eu des trucs entre lui et eux. Et vu que Chobax me semble quand même chelou, je pense qu'il y a moyen que Chobax se fasse protéger. Dans tous les cas, faudra tuer Ilu à un moment ou à un autre. Et sinon, bah, il n'y a plus de LGB, donc c'est bien. On est plus beaucoup par contre, mais on a une team qui commence à être meilleure, donc c'est un avantage qui est certain. Bon, j'espère qu'ils vont se fight vraiment, c'est mon but depuis tout à l'heure. J'essaie vraiment de les faire se fight. Ilu est possiblement ange gardien, rôle solo qui a pour mission de protéger un joueur aléatoire et de gagner avec lui. Il se peut qu'il doive protéger Chobax, ce qui expliquerait son comportement étrange. Après, le truc, c'est qu'ils disent qu'ils ont leur rôle en fait. Je comprends pas. Ouais, mais je pense que Zizi et Narco se font embobiner, je pense. Ils sont barrés? Je pense vraiment, ouais. Je pense que. Vous les avez trouvés ou pas du coup les. Ils ont sauté tout Daiko. Et pourquoi ils voulaient te tuer, Nagato? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous mettre d'accord sur un. C'est Australis. Dans leur groupe à eux. Bah attends, qui l'a déjà pris? Dans ce cas, Nanox ou Narco, donc. Je pense vraiment. Je pense vraiment que Nanox role solo. Bah du coup, on se met d'accord sur lui alors. Ils viennent de dire, les gars, il y a Titi et Nanox sous les arbres, ils sont tous méchants. Ce n'est pas possible. Oui, bon. On est tous méchants, quoi. Mais je pense vraiment que Titi se fait embobiner. En fait, je pense vraiment que Titi se fait embobiner. Hein. Bah, du coup, on vote Nanox. Nimbus était dans les trois greux, donc ça m'étonnerait. Sauf s'il est feutré, ça m'étonnerait que ce soit lui. En fait, si j'étais feutré, je n'aurais pas grogné du coup. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ce que je dis. Donc, sauf si t'es feutré. On les a vus sous les arbres il y a genre 2 minutes. Hein. Ok, nickel, parce qu'on pourchassait. Après, ouais, il y a toujours la vieille menace du solo, tu vois, mais comme toi, tu peux l'être. Ou comme toi, tu pourrais être feutré. Et que c'est... Bref. Oui, c'est ça. C'est un. Bah, en fait, je t'accuse d'être feutré comme tu peux très bien m'accuser de feutré là. Mais je comprends pas. Là, bah, il go sur Nems. Nems, c'est le seul qui a eu peur. JPP. Les games pitié.
Ils s'embrouillent à faire. C'est quoi ce bordel? Mais je pense vraiment pas que Nagato soit long en fait. Mais. Classe 1. Oui, frérot, bien sûr. En vrai, je pense parce qu'il m'a laissé. Je sais pas pourquoi ils se battent. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils se battent en fait. Je crois pas non plus, hein. Oh, il sert à rien, lui. Oups. Ah, mais y'a eu un punch là, oh, dans bah, ok, je connais le rôle de Nems. Yes. Oh lolo, mais. Bah, nice game, mais... hein. Second poteau pavard. GG. Mais what the fuck, second poteau pavard. Second poteau. Attendez, il a lâché. Il était loup ou pas, du coup? Non, il m'a. Mais comment voilà, vous savez qu'il était assassin depuis le début en fait? Genre, c'est bizarre ça. Ouais, bien joué. Je savais pas, je sais qu'il savait pas. Juste, il m'a attaqué, il m'a arraché, quoi. Et là je pouvais pas l'aider sinon on était que 3 contre 6, je pouvais absolument pas aider. Et tout tourne au cauchemar. Ils étaient enfin sur le point d'attaquer Gil, mais ils n'ont pas continué leur attaque, et Nagato a décidé d'y aller seul. Étant en infériorité, on n'a pas pu l'aider. On perd ainsi un loup supplémentaire, l'assassin infecté qui plus est. Si la game n'était pas déjà dure à gagner, elle l'est maintenant à 200%. Oh, oh bah ils l'ont tué ça. Attends, ils ont encore tué un rôle solo du coup. Mais ils connaissent tous les solos, comment ils font? Et bon, du coup, j'avais raison sur ça, mais bon. Ma théorie sur l'ange était bonne, mais nous perdons encore de potentiels alliés. Le voleur, l'ange, tous sont morts. Je me retrouve tout seul, probablement cramé. J'étais très proche du but, mais ma stratégie a échoué. Je n'ai pas d'autre choix que de passer à l'acte. Tenter de retrouver mes amis loups, tenter d'attaquer si je le peux. On se casse? On a beaucoup de dégâts par rapport à. Ouais, moi j'en ai 30 de dégâts. Ouais, moi j'en ai 20. Moi j'ai tout, hein. Je vous le dis, j'ai tout récupéré. Ah, mais c'est trop bien tout à l'heure. Y'a un Gil qui t'attend là, quelque part dans la nature. C'est bon, je le tue, hein. Allez, on le tue là. Y'a un Gil qui t'attend dans la nature, bro. Ah, vas-y, venez, on arrête. Ouais, faut qu'on joue, faut qu'on joue. Allez, à plus. C'est la nuit en plus. Regarde-le, le pont, putain. Pas comme ça. Salut. Pourquoi t'es no stuff? Non! C'est n'importe quoi! Pourquoi t'es no stuff? Mais parce que putain, je faisais une vanne! Oh, ça casse les couilles! Je te donne de partir. Une seconde pour. Ah bah non, si tu avais rush, je te laisse pas de seconde, désolé. Non! Non! Non, mais les mecs, il a troll, c'est de sa faute, en plus de ça. Il va aller, si je le tue pas, il va retourner vers ses potes, donc c'était ma seule occasion. J'aurais préféré qu'il ait son stuff, hein, je l'aurais tué quand même. Si je le tue pas, il va retourner vers ses potes, il était sur le point d'aller vers ses potes, hein. Il allait en direction de ses potes. Je lui ai même dit, je te laisse 3 secondes pour remettre ton stuff, et il est allé vers sa team. Du coup, bah tant pis. Bon, pas le meilleur kill. Je sais pas du tout c'était quoi le but d'enlever son stuff comme ça en plein milieu de la nuit, mais bon, j'avais pas le choix que de l'attaquer. Il courait vers ses alliés, il allait les prévenir. J'aurais préféré le fight avec son stuff, mais il ne m'a pas laissé d'autre choix. On va dire que ça a rien changé. Je récupère ainsi beaucoup de pommes, la partie passe en groupe de 3, et je vais continuer à chercher mes alliés pour peut-être tenter un nouvel assaut. Là, je fais. On est mort si je tente pas les trucs. Bon, j'ai 30 gaps, hein, c'était horse. Et c'est quoi le rôle qu'il est du coup, kill? Y'a le Cupidon qui est parmi eux, y'a sûrement les sœurs parmi eux, genre ça doit être Nordkonanox ou Titi qui est quelqu'un. Donc ouais, l'histoire en fait, je suis con. Et après il reste un SV, c'est Nordco. Non, c'est Nordco SV, c'est Nanox City, les sœurs, ok. Trop chaud. Groupe de 3. Le problème c'est que là il y a un groupe Nanox City avec 2 résistances plus Nordco. Et si Nordco a la résistance en plus. Salut. J'ai beaucoup de gap, hein. J'en ai 30. Par contre, c'est groupe de 3, hein. Mec. On fait moi Chubax et Gap, non? Comme je suis le plus nul, je peux juste m'enterrer. Et ouais, t'inquiète. De toute façon, faut pas que tu restes proche, mais. Genre, reste sous le 0 et comme ça. Bah, tu. S'il y a quelqu'un de nous qui meurt, tu remplaces. Il était no stuff friendly, il était no stuff. Mais je t'ai obligé de tuer parce que sinon, il a rejoint sa team. On l'a suivi il y a genre une 2 minutes. Et après, il les a rejoints. Ouais, bah, moi, j'étais à la sortie quand il est parti. Par contre, je pense qu'il doit avoir 3 résistances en face et je déconne pas. S'il a la salvation, oui. Mais de toute façon, Titi et Nanox sont sœurs, mais. En fait, d'ailleurs, je vous explique. T'étais en. T'étais protégé. J'ai compris que Ilu était sûrement ange. Ouais, ouais. Attends, mais toi, tu l'as vu les cramer, genre, je sais pas comment ils l'ont cramé, hein. Non, mais en fait, ils ont cramé tous les rôles solo, je sais pas comment. Genre, ils ont trouvé le voleur, ils ont cramé l'ange, ils ont cramé l'assassin. Ils ont cramé alors que j'étais pas encore. Ah oui, non, mais ils ont cramé tous les joueurs qui étaient méchants ou potentiellement méchants, en fait. Y'a Gil qui est enterré quelque part, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, je l'ai entendu, mais je l'ai entendu là. Ils sont là. Ah, ils sont à Gil maintenant. Descends. Salut. Vous êtes derrière? Ok. Ah non, on est pas avec toi, gars. Ouais, je suis là. Allez, tranquille, il est en dessous, Ah, oui, non, mais du coup, oui, ok, mais d'accord. Okay, go. Je pensais que t'allais le fight, du coup, je me suis retrouvé tout seul. Je suis tout seul. On est deux là. Vous êtes en 2v2. Vous êtes deux, les gars. Bah, deux nuits. C'est vrai. Ah,
Non. Salut. Ah, non. Mayo. Non. Oh non. GG. Ah. Il va tomber. Vous avez des blocs? Non, non. Ah, ils ont Go 3. Go se retrouver d'accord, attends nous. Je suis là, je suis là, je suis là. Go, on les fight, on les fight, on les fight, fight. Viens, viens tu Max. J'en ai qu'un stack par contre. Vous arrivez pas, vous arrivez pas le heal, le heal? Oui. Ok. On va fight la nuit. Après, vous avez de résistance, mais. Bah, vous avez résistance. Ah, ça c'est faire en vrai. Plus un punch. Derrière moi. J'arrive, j'arrive, attendez, je suis pas là. Nanestralo. Je l'ai eu, je l'ai eu de la merde. Mais what the fuck, mais. Meurs en fait. Mais what the fuck. C'est trop de la merde. Ouais, la perle. Oh non. Je l'ai eu, c'est bon, je l'ai eu. T'as eu Nanax? Bah, il est censé avoir perle. Oh non, Deku est mort, vraiment? What? Ah putain. Bah, c'est loose. Non, faut contrôler un bus, mais. Ouais, ouais, il y a un bus encore. Faut qu'on trouve un bus. Mais gros, ils sont deux, on peut les tenter là. T'es sûr? Parce que, ok, bah on a un peu de temps, on est 1050. Attends, il vient de partir. Attends, gaffe, attends. Ok, vas-y, laisse-moi. J'ai besoin d'être Chubax. Oh non! Je prends beaucoup de flèches, je prends beaucoup de flèches. Tu m'as perdu? Je suis lâché. Bah... Oh, il t'a reperdu! Mais what the f. C'est bien que. Ok, bah, go, go, go. Putain, la double perle, ça c'était. Une game n'est jamais perdue. Oui. Il y a l'air. Okay. Aïe. Il aurait pu être beaucoup. Merde. What the fuck. Je suis, je vais le rattraper. Je l'ai. Oh non. Ah putain. Oh, GG les gars. Comme GG. La triple perle. Et c'est fini. C'est par un énorme fight que nous gagnons cette partie qui semblait perdue. Tant de loups sont morts sous nos yeux. Tant de fois je pensais la game impossible. Nous avons su tirer notre épingle du jeu. Et même si ma stratégie n'a pas fonctionné, j'ai su m'infiltrer longtemps, provoquer l'infection de Nagato. Et j'ai presque réussi à faire s'entretuer les villageois. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, sûrement ma meilleure game en tant que loup. Il y avait de la stratégie, de l'attaque en douce et des fights, tout ce qu'il faut pour une bonne partie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un gros like, un sub, et n'oubliez pas la Cité des Nations qui commence dans quelques jours. Ça sera vraiment fou pendant une semaine. Alors rejoignez-moi en stream, ça sera dingue. Bref, on se laisse ici, portez-vous bien. Ciao.